Salut à tous et très bonne année. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année dans laquelle on va parler de jeux Les Gâteaux. Donc, je vous affiche la table. Voilà, donc je vais vous détailler vite fait ce qui se passe et après je vais vous donner quand même un petit conseil de, pour éviter de tomber dans un piège dans lequel je suis tombé. Donc, vite fait, hein. En gros, on va avoir ça. Ok, donc on est dans un contexte de mi bémol mineur en fait. Et le conseil que je vous donnerais, c'est que évitez de faire ce genre de legato comme ceci-là. Donc c'est rapide, c'est fluide, hein, on est d'accord, c'est, ça impressionne la galerie, hein, mais honnêtement, vous n'allez pas vous en servir si vous ne savez pas où vous êtes rythmiquement. Donc quand on fait ça, on ne sait pas trop ce qu'on fait, quoi. On fait un flow de notes, mais honnêtement, pour s'en servir après dans un solo, c'est pas... Franchement, si c'est pour vous perdre, ce n'est pas la peine, quoi. Donc essayez plutôt de choper un découpage de double croche. Alors je vais peut-être me mettre en son clair. Pour au moins vous expliquer un peu deux, trois trucs, si jamais vous voulez quelques détails sur le côté purement technique du truc. Donc en fait, est-ce que j'ai un bon son clair là ? Avec du volume, ça serait mieux. Donc on est en mi bémol mineur et je vous laisserai peut-être le backing track en fin de vidéo tourner pour que vous puissiez le télécharger comme ça à partir de la vidéo. C'est un petit peu une suite d'accords qui ressemble étrangement à Your Sweet Eyes de Eric Johnson. Donc en tout cas, on est en mi bémol mineur et on part de la troisième position pour ceux qui connaissent leurs trois notes par corps. Sauf que moi, j'en fais que deux ici. Parce que je trouve que c'est chiant d'avoir un doigté central trois fois, mais qui se décale d'une case. Donc je vais mélanger en fait là de l'hybrid picking, un petit peu de sweep, du legato, donc il y a un peu tous les ingrédients, quoi. On commence très très fort avec ce premier plan de l'année. Donc on commence par une phrase ascendante. Et quand je change de corde ici pour aller récupérer le mi bémol, je vais faire un hybrid pick. Hein. Alors je ne l'ai pas noté, désolé, sur la tablature parce que je ne sais pas comment noter l'hybrid picking. Sur Guitar Pro, donc s'il y en a qui savent, bah dites-moi. Donc ça, typiquement, c'est un motif très, très Tom Quayle, en fait, hein, pour ceux qui connaissent ce guitariste. Et là, je vais récupérer le médiator. Et après, hybrid pick encore, hein. Donc là, il y a une petite séquence qu'on avait déjà vue dans une autre vidéo, qui était une vidéo dans laquelle on séquençait un petit peu des arpèges à 4 sons en groupe de 4 notes avec la technique de l'hybrid picking. Donc pour ceux qui voudraient creuser un peu plus ça, je l'ai déjà traité dans un autre sujet avant, dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller y voir, faire un petit tour, quoi. Donc en tout cas, j'ai mixé un petit peu du legato et un petit peu de groupement par 4 là sur cet arpège, quoi. Ok, donc j'utilise deux doigts, hein, pour les brisures comme ça par 4 personnellement, donc à partir de la corde de ré, premier hybride avec le majeur ici retour du doigt 2, voilà, et ici le sol bémol, je vais le chercher avec l'annulaire en fait. Hein. C'est vraiment ce truc à choper. Okay. Donc là après on va vraiment se baser sur l'arpège. Là je récupère un coup de médiator, ok.
Donc évidemment avec la disto, c'est un peu plus dur à contrôler. Mais c'est sympa, je trouve, comme petit plan pour éviter de se perdre en fait dans le legato, quoi. Je pense que c'est pas mal d'essayer de faire des cellules de double croche avant d'essayer d'avoir des trucs un peu en sextolé et tout. À mon avis, hein, je pense que c'est ce que je ferais moi, quoi. Voilà. En tout cas, je vais peut-être vous laisser le backing track peut-être déroulé en fin de vidéo comme ça là. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Je vous souhaite bon travail et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.